Bonjour à tous. C'est Canon Amoni Jérémy, Zagazo Gergen, Amonival. Champion d'Afrique pour l'EPC, j'ai les moins de 33,5 kg. Et champion d'Afrique pour l'EPC, j'ai les moins de 61,5 kg. Bonjour la famille, moi c'est Kono Olivier Tipouda Bondiaski, champion d'Afrique pour l'EPC de Muay Thai, moins de 63,5 kg. Ok, qu'est-ce que ça fait d'être deux fois champion d'Afrique de l'EPC Muay Thai? Ça nous fait, ça me fait personnellement moi avoir des grandes épaules pour pouvoir porter les deux ceintures. Être un peu plus fort parce que les deux ceintures pèsent un peu plus. À côté, on reste quand même des boxeurs, donc on sait que la défaite peut venir à tout moment. Nous sommes déjà dans le collimateur de plusieurs boxeurs. Donc ça nous met plus de pression pour rester dans de bonnes conditions pour les entraînements et pour les compétitions à venir. Donc on fait de notre mieux pour rester, avoir la tête sur les épaules et rester au meilleur niveau possible. Je suis champion d'Afrique. Je travaille pour avoir cette structure avec mon coach. Je travaille encore pour la prochaine compétition et avoir une autre ceinture encore. Je m'entraîne deux fois plus que les fils de titre mondial et intercontinental. Les Ivoiriens seront fiers de moi. Ok, celui que je désire affronter, c'est vraiment de façon nationale. À part Kona Bouda qui m'a beaucoup fatigué, qui m'a beaucoup c'est vraiment. De façon nationale, j'ai des combats en vue, mais c'est pas que ce sont ces combattants-là que j'ai envie d'affronter. C'est eux qui ont envie de moi m'affronter. Personnellement, je n'ai personne dans le viseur. Mais bon, j'attends les promotions pour affronter tout le monde. J'accepte tous les combats pour affronter tout le monde. Et voilà. Ça donne tout ça. Je veux Martin Adjeku. Un conseil pour les débutants. Toi, je peux les dire quoi par exemple? Oh, peut-être un débutant qui peut te concentrer. D'accord. Personnellement, pour moi, moi je peux les dire de quoi? De se donner un programme d'entraînement. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. On n'a forcément pas le temps. Mais une heure d'entraînement, une heure très sérieuse d'entraînement peut te permettre d'être champion. C'est-à-dire qu'une heure par jour, tu as forcément une heure de limite dans la journée. Une heure que tu peux prendre pour aller boire des bières, pour aller t'amuser avec des amis. Mais tu peux prendre cette heure-là pour un entraînement très sérieux. Je pense que c'est une longue journée, ça peut vraiment servir. Ça aura des conséquences positives.